Alors, petite prière du soir. Petite prière du soir, puisque. Donc là, je prends toujours, entre guillemets, au hasard. Hein, c'est mon doigt qui. Et alors, j'atterris comme par hasard à la sourate que je ne connais pas, évidemment, puisque je n'en suis pas là. J'en suis en fait à la sourate, à la base, sourate 4. Hein. Alors, là, je suis arrivé à la. Par le hasard, le sourate, la sourate 35. En français évidemment et donc gloire à Dieu, c'est ce qu'il faudrait m'apprendre. Il y a une petite phrase qu'il faut dire avant dès qu'on utilise le mot, voilà, c'est bismillah, non c'est marqué bismillah, c'est bon, je peux, voilà, toi, il me faudrait un prof. Donc, désolé, je peux pas le dire. Araham, je crois, Rahim, il me semble. Donc, gloire à Dieu, créateur des cieux et de la terre, Allah, celui qui emploie pour messager les anges à deux, trois et quatre ailes. Il ajoute à la création autant qu'il veut, il est tout-puissant. Ce que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre aux hommes de ses bienfaits, nul ne saurait le renfermer, et nul ne saurait leur envoyer ce que Dieu retient. Il est puissant, il est le puissant, il est le sage. Ô homme, souvenez-vous des bienfaits dont Dieu vous a comblé. Y a-t-il un créateur autre que Dieu qui vous nourrisse des dons du ciel et de la terre? Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Pourquoi donc vous en détournez-vous? S'il te traite d'imposteur, ô Mohammed, les apôtres qui t'ont précédé ont été traités de même, mais toutes choses reviendront à Dieu. Ô homme, les promesses de Dieu sont véritables. Que la vie de ce monde ne vous éblouisse pas, que la vanité ne vous aveugle pas sur Dieu. Satan est votre ennemi, regardez-le comme votre ennemi. Il appelle ses alliés au feu de l'enfer. Ceux qui ne croient pas éprouveront un supplice terrible. Ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres obtiendront le pardon et une récompense magnifique. Celui à qui on a présenté de mauvaises actions sous un beau jour et qui les croit belles, sera-t-il comme celui à qui le contraire arrive? Dieu égare celui qu'il veut et dirige celui qu'il veut. Que ton âme, ô Mohammed, ne s'abîme donc point dans l'affliction sur leur sort, Dieu connaît leurs actions. C'est Dieu qui envoie les vents et fait marcher le nuage. Nous le poussons vers une contrée mourante de sécheresse. Nous en vivifions la terre après qu'elle est morte. C'est ainsi qu'aura lieu la résurrection. Si quelqu'un désire la grandeur appartient tout entière à Dieu. Toute bonne parole et toute bonne action montent vers lui et il les élève. Ceux qui trament de mauvais projets recevront un châtiment terrible. Leurs machinations se réduiront à rien. Dieu vous a d'abord créé de poussière, puis de la semence. Ensuite, il vous a divisé en deux sexes. La femme ne porte et ne met rien au monde dont il n'ait connaissance. Rien n'est ajouté à l'âge d'un être qui vit longtemps et rien n'en est retranché qui ne soit consigné dans le livre. Ceci est facile à Dieu. Les deux mères ne se ressemblent point. L'une est d'eau fraîche et douce, de facile absorption, l'autre d'eau amère et salée. Vous vous nourrissez de viande fraîche, l'un et l'autre, et vous en retirez des ornements que vous portez. Vous voyez les vaisseaux fendre les flots pour obtenir des richesses de la faveur de Dieu. Peut-être lui rendrez-vous des actions de grâce.
Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il vous a assujetti le soleil et la lune. Chacun de ces astres poursuit sa course jusqu'à un terme marqué. Tel est votre seigneur. L'empire lui appartient. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne disposent pas même de la pellicule qui enveloppe le noyau de la date. Si vous les appelez, ils n'entendront point. S'ils entendaient vos cris, ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrection, ils désavoueront votre alliance. Et qui peut instruire, si ce n'est celui qui est instruit? Ô homme, vous êtes des indigents ayant besoin de Dieu, et Dieu est riche et plein de gloire. S'il le veut, il peut vous faire disparaître et former une création nouvelle. Ceci n'est point difficile à Dieu. Aucune âme portant son propre fardeau ne portera celui d'une autre. Et si l'âme surchargée demande à en être déchargée d'une partie, elle ne le sera point, même pour son proche. Tu avertiras ceux qui craignent Dieu dans le secret de leur cœur et qui observent la prière. Quiconque sera pur le sera pour son propre avantage, car tout doit un jour revenir à Dieu. L'aveugle et celui qui voit ne sont point de même, pas plus que les ténèbres et la lumière, que la fraîcheur de l'ombre et la chaleur. Les vivants et les morts ne sont point de même. Dieu se fera entendre de quiconque il voudra, et toi, tu ne peux pas te faire entendre dans les tombeaux. Tu n'es chargé que de prêcher. Nous t'avons envoyé avec une mission vraie, chargée d'annoncer et d'avertir. Il n'y a pas une seule nation où il n'y ait point eu d'apôtre. S'ils te traitent d'imposteur, leurs devanciers aussi ont traité d'imposteur les apôtres qui se présentèrent munis de signes évidents des Écritures et du livre qui éclaire. J'ai puni ceux qui n'ont point cru, et quel terrible châtiment. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre l'eau du ciel? Par elle, nous produisons des fruits d'espèces variées. Dans les montagnes, il y a des sentiers blancs et rouges, de couleurs variées. Il y a des corbeaux noirs, et parmi les hommes, les reptiles et les troupeaux, il y en a de couleurs variées. C'est ainsi que les plus savants d'entre les serviteurs de Dieu le craignent, il est puissant et indulgent. Ceux qui récitent le livre de Dieu, qui observent la prière, comme je le fais maintenant, évidemment, sur YouTube, et font l'aumône des biens que nous leur donnons en secret et en public, doivent compter sur un fonds qui ne manquera pas. Voilà. Donc c'était ma petite prière du soir, évidemment, hein. On l'aura compris, je pense. Voilà. Et peut-être avec Meya, petite prière aussi partagée. Elle ne le sait évidemment pas, peut-être le saura-t-elle. Qui sait, hein? Qui sait? Allez, petite prière. Inch'Allah. Petite prière du soir.